C'est une saga judiciaire qui prend de l'ampleur. Après une première plainte placée sans suite, l'acteur Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Les faits remontent à 2018. Gérard Depardieu va devoir répondre à la justice. L'info vient d'être révélée, l'acteur français a été mis en examen pour viol et agression sexuelle, le 16 décembre dernier, nous apprend par un tweet ce mardi 23 février l'AFP. La plaignante avait déposé plainte en 2018, mais l'affaire avait été classée quelques mois plus tard. La jeune femme avait déposé une nouvelle plainte par la suite, et un nouveau juge d'instruction avait été nommé pour relancer l'enquête. Les faits se seraient déroulés les 7 et 13 août 2018, dans l'hôtel particulier ou Villa Star, à Paris. Gérard Depardieu aurait alors abusé de la victime dans le cadre, au départ, d'une collaboration professionnelle, et plus précisément une répétition pour une pièce de théâtre, la victime présumée étant également comédienne. Selon l'article du Parisien daté de 2018, la plaignante et l'accusée se connaissent bien puisqu'elle est la fille d'un ami de Gérard Depardieu. Depuis le dépôt de cette première plainte, l'affaire est devenue une saga judiciaire. Une nouvelle enquête point entendue par les enquêteurs à l'époque, Gérard Depardieu a nié les faits par la voix de son avocat, Hervé Temim. En juin 2019, presque un an après le dépôt de la plainte, l'affaire avait été classée sans suite. Les nombreuses investigations réalisées dans le cadre de cette procédure n'ont pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs, résumait le parquet de Paris. Clap de fin, pas du tout point la victime présumée a décidé de déposer une nouvelle plainte, en se constituant cette fois partie civile. Selon différentes sources judiciaires citées par Le Monde ou Le Parisien, la plainte avec constitution de partie civile permet la désignation quasi automatique d'un juge. En octobre dernier, la désignation d'un magistrat enclenchait la réouverture de l'enquête. Jusqu'à la mise en examen de Gérard Depardieu, donc, le 16 décembre. Mot-clé Let's Block ADS.